posting on NDG Facebook groups for the event tonight. So maybe that'll work. Nice. Thank you very much. I saw the story on CTV News last night talking about the consultation, which was great to see, except they didn't tell how you could participate. So, but still, it was a good overview. Good evening, everybody. Bonsoir. Thompson McQueen. Hi, Peter. Hi there. Merci tout le monde. Merci, Alain. Hi, Peter. Hey, Michelle. Hey, Marnie. Hey. Hello. Hello. Beaucoup de visages familiers, je pense. Bon, je peux peut-être commencer tout de suite. Nous avons un horaire chargé et je suis certain que vous avez hâte d'entendre les présentations. Donc, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette activité, cette deuxième séance de consultation, en fait d'audition publique sur le projet de l'EMPRESS. Mon nom est Nicolas Lavoie, je suis conseiller en aménagement à l'arrondissement de Côte-des-Neiges. Alors, je suis la personne qui est en charge du projet. Sans plus tarder, je vais passer la parole à mes deux collègues aussi qui vont se présenter. Yolande va aussi vous dire un petit mot en anglais également. My name is Yolande Moreau. I work at the borough. I'm calling Nicolas' colleague and I'll sort of be his English penchant during the presentation. So I will be asking the questions in English and sort of giving all the directions. So we just wanted to start by thanking everybody to be here. Welcome and thank you for participating to the second of three evenings of the presentations for the different proposals for EMPRESS. And there will be four presentations Bonjour, je suis Jean-François Daunet, chargé de communication à l'arrondissement. Donc, je vais avec l'équipe être à la technique, si on veut, ce soir. Donc, je serai la personne en charge de faire aller les présentations. Et on est là aussi si vous avez des questions. Donc, bonne soirée à tous. Oui, donc il y a déjà un commentaire aussi sur la façon, en fait, nous avons publié là, dans le même réseau que nous utilisons habituellement, l'infolettre, les sites habituels, les médias sociaux pour l'événement. Donc, il semble que ça ne soit pas rendu jusqu'à vous, on s'en excuse. Ce sont des choses qui arrivent. Là. On fait du mieux qu'on peut en temps de pandémie pour essayer de transférer l'information. Ce n'est pas toujours facile de le faire. Donc, merci quand même d'être présent. Si c'est ta dernière minute, il semble que Miss Ritchie était très populaire. Vous avez un grand, you have a large network, it seems. I'm just on all of the NDG Facebook groups, so I did just a quick blast like a half an hour ago. So. Yeah. So, alors, nous allons commencer tout de suite. Nous avons quatre présentations ce soir. C'est la deuxième présentation, comme je le disais. C'est très friendly ce soir. Alors, on va faire une petite présentation de l'état de la situation. Et ensuite de ça, nous allons enchaîner avec les présentations. Yolande, je te laisse. So before, just because the person in the chat mentioned that why her question was not, his or her question was not answered in English. So you might have showed up a little bit after we started the presentation. So we are trying to do this as bilingual as possible. So the presenters will be presenting in the language of their choice and answering the questions in the language of their choice, and people can ask questions in the language of their choice. But Nicolas and I will be co-animating tonight, Nicolas in French and I in English. And I've already forgotten what Nicolas had just said, because but I was talking about we're going to be doing the four presentations tonight. Merci beaucoup, Yolande. Jean-François, tu veux projeter? I'm going to just start with a quick overview of the process, of the whole process. It's une des premières étapes, one of the first steps regarding this big project of the EMPRESS. So
Vous allez retrouver d'ailleurs ce document-là sur le site Internet de l'arrondissement. Donc, c'est un projet, nous le rappelons, nos intentions sont de faire dans ce projet d'intégrer trois composantes. C'est comme ça que nous avons travaillé le projet jusqu'à maintenant, une composante résidentielle, une composante culturelle et artistique et un volet commercial aussi. C'est essentiellement pour les deux volets culturels et commerciaux sur lesquels nous essayons de vous consulter. La composante résidentielle serait développée là, à même le projet. Yolande? So as you can see, we have the English slide up. So tonight, the project has three components, so residential, cultural, and commercial. And tonight, we're more focusing on the cultural and commercial components that we've asked people from the community to give, share their ideas with us. Next slide. Alors, c'est un projet qui se fait en plusieurs étapes. Nous avons, on vous le disait, donné un mandat à la SHDM en mars 2020 pour travailler un projet avec ces trois composantes-là. Nous avons travaillé au courant de la fin de l'été et l'automne un mandat avec Edifica pour essayer d'identifier les grands principes de développement de ce projet-là et les attentes de la communauté avec deux événements, un atelier de co-création et la présentation publique, une première présentation publique en décembre. Nous sommes dans la deuxième étape où on fait aujourd'hui les auditions pour entendre vraiment ce que les gens, prendre le temps d'entendre ce que les gens ont à dire. Mais ça sera suivi d'autres étapes au printemps et peut-être même un petit peu plus tard cet été pour développer le projet. Alors, il faut bien comprendre que nous sommes vraiment dans une période d'échange, de perception, et c'est comme ça que nous voyons le projet jusqu'à maintenant. As you can see on the bilingual slide, so the different stages of the project, there has been several steps before this. So the first step was the mandate given to the SHDM, and then the first process of consultation, which was done with Edifica. And there was a co-creation workshop. And in December, there was the first presentations and public consultations. And now today in February of 2021, so we're in the blue section, we are again presenting the different ideas that were submitted, but it's not the last step. So there are still steps coming along. These are just a lot of steps to get to a final step to get more ideas for what the community wants and what is possible. Just before we go on, since it's already going on, we would really ask people to not please chat during the presentation because it's very disruptive for the presenter. So we would just ask that you keep your comments from now on and your questions for the question periods between each presentations. Thank you. Nous allons vous laisser suffisamment de temps pour poser vos questions sans problème. So you will have plenty of time to ask your question, Miss Richie. Marlo, no question. Sorry. No, but it's your turn. It's your turn to. No, we have other. We have a few things to say still, so I'll start. Vas-y. So so we wanted to say that the presentation should be around 10 minutes each. After each presentation, we will have a 10-minute question period where that's where we would like people to lift their hands or ask the questions in the chat. And there will be a quick survey on that presentation. I'd also like to remember that all of this is recorded, so it will be available on the website. And all the presentations that you will see tonight will be again on the website. I think that's it. Nicolas? Ouais, donc, un petit sondage à la fin de chacune des présentations qu'on nous a demandé de faire. De 1 à 5 pour essayer de voir
quels sont les éléments qui ressortent le plus de toutes les présentations. Donc, voilà, c'est une question très courte. Alors, merci à l'avance d'y répondre. Madame Ritchie, je vous laisse la parole. Je pense merci. Que là, c'est bon. Merci. Je présente avec Carolyn Dix ce soir. On est tous les deux les membres de la Rue Star de NDG. On va procéder en anglais, mais toutes nos diapos sont en français. Puis, soyez à l'aise de nous poser des questions en français aussi. So, Carolyn is going to describe a little bit more about our who we are and our approach. But we're very glad that we've had this opportunity to present our vision for the Empress. So thank you to the organizers behind the scenes and to everyone who's involved in this transformation project. Next slide, please. So we are a part of an international movement of art hives. Art hives are free community art spaces where everybody is welcome to come in and create individually and collectively. In Montreal, there's over 30 art hives. And the founder actually lives in NDG, Dr. Janice Timbotos. She's a professor at Concordia. Next slide, please. So what is an art hive? Basically, they are third spaces. So it's not a private home. It's not necessarily even an institution or a nonprofit. Art hives are very adaptive and can fit into different environments. And you'll hear tonight how we've kind of adapted our environment like bees do. They'll build their nest anywhere they can. And we've shown a lot of flexibility. But the main parts that distinguish us is that we are free, we're open to everyone, we're inclusive, we're inviting, and we're diverse spaces where people can come in, make art, dialogue, build community, and get community resources. Next slide, please. Okay, so I'm just going to, so my name's Caroline Dick. I'm a member. I've been with the Art Hive organization since about 2015. And I have a background in political science and environmental management. So I've been involved with some, puppet shows we've done and arts and crafts and hosting the Benny Art Hive and some other art hives in the parks around the summer. So getting back to what Marlo said we were going to do is basically describe what our approach is. So we're accessible to everyone. We share a lot of resources. We work with a lot of donated materials, recycled, upcycled. We try to foster, curiosity, exploration, innovation. You know, people take a lot of the different things we make and just make a lot of other things, which they really enjoy. We look for, we do learning and research, and we foster community creation between people of different origins, ages, and life experiences. And yeah, it is free, and there's an economy of donation and mutual solidarity. Next slide, yeah. So who are we? Our collective is made up of a diverse group of NDG residents with skills in community development, animation, art therapy, social work, and nonprofit management. We're agile, creative, and dedicated to creating art activities that are accessible to everyone. And just to give you an idea, well, we have some photos. So the next couple of slides are going to be some photos of our members and some events we hosted. So our history, we actually started out of something called the Cheap Art Collective, which was started by Mel Stye and some of the friends down in St. Raymond's, and started doing different pop-up events like the famous Haunted Melrose Tunnel and the annual puppet parade. And in July 2015, we got a contract with the borough to open in the chalet in Girouard Park on Saturdays. So for 2 years, we ran the Art Hive in the park, and it was very busy to overflowing. So we're hoping that
in the Empress that we have access to a really large room where we can get a lot of people in there because that's what we're used to working with. Next slide, please. We were really disappointed that the renovations of the chalet in Girouard Park resulted in our being renovicted, essentially. You know, we'd like to think that maybe we helped inspire an investment in that space because prior to that, it had been neglected for many years. But unfortunately, what we see now is that there is a lack of activity in that chalet. We've seen some great projects. NDA is going to talk about Friends of the Park and things like that. But we need to make sure that whatever investment is made, that it's really maximized and that the community can run it. So you can go to the next slide, please. More recently, we've moved into the HLMs, the social housing buildings in NDG. So we've worked in up to 4 of those sites, mostly with isolated seniors. A lot of those seniors are immigrants as well. There's some language barriers. People are often dealing with mental health challenges and poverty. So we're not only providing a place for people to make art, but we're breaking isolation and providing essential accompaniment services. We've also worked with the libraries of Montreal doing pop-ups. And during the pandemic, we've adapted our activities, and Carolyn will tell you more about that. Next slide, please. So some of, I'm going to talk about what we think our actual impact on the community has been. We've reached more than 5,000 people in the community, family members, older people, new arrivals. We have over 2,000 people that follow our Facebook page, and we have 1,000 people on our list, email contact list that we send out. And this is just in the last 5 years, but every year we're growing. Every month we're growing, actually, and more people are interested. So also we feel that we contribute to social development. We offer a leisure activity. We help break social isolation, which I'll talk a little bit more about our pandemic activity. We create some jobs, collective jobs. We provide mental health and psychosocial support, referral to community resources. There's exchange of ideas when people get together. We create jobs. It's an intergenerational space. And our programming is accessible and free, and we work in partnership with other NPOs in the neighborhood and other institutions. So these are some of our partners and collaborators. And the next slide is an important slide. If we can just go back to that, that's the one. So we've come together in a coalition with Notre Dame des Arts, the NDG Community Council, and PAL, because we share many aspects of our vision together. And ideally, all three groups, PAL, NDA, and the NDG Art Hive, would have permanent space in the new Empress. And we can flip through the other photos more quickly. So these are some examples of past programming that we've done. We did, you can keep going, but I'll just talk while you're flipping. We did a card project for new Syrian arrivals. These are some of the seniors in our HLMs, the pop-ups at Benny Library. Outdoor pop-ups, we do a lot of activities outdoors. Yeah, as far as the, I just want to, before I talk about the pandemic, as far as the pop-ups outdoors or at the library, like one thing that people really enjoy is that they can just come along and they see an activity happening and they can just participate. You don't have to sign up or be registered or anything. And people really like that. It's fun and relaxing not to have to worry about that sort of thing.
So during the pandemic, which happened, well, we had just started our programming in the HLMs. So the first thing we did during the pandemic, I guess there was a total lockdown. So one of our members offered some online art hives via Zoom. So we continued on our programming during the pandemic, and so there wasn't any suspension of programming. And later on during summer, when we were allowed to reopen, we were able to provide the art hives in all the HLMs, Monkland, Bray, and St. Raymond's and Dirwad. And that was very important, I think. And we were able to adapt to that with the social distancing. We disinfected materials. We gave, we came up with new ideas, giving people their own materials to take home. Like usually everybody would share everything together, but couldn't do that during the pandemic, but it worked out fine. And, you could really feel the happiness in the room of people especially in the HLMs, they were so relieved to have some kind of activity. So that was, I think that was a really good service that we provided. Another project we did around December, we made 600 cards, which were distributed around the NDG community to isolated people. And we also did another online art hive for the Chinese New Year. So getting to the matter at hand, the vision for the Empress. There are five values and approaches that we've identified that we'd like to see in this transformation project. Accessibility, interdisciplinarity, community management, ideally by a nonprofit organization or a coalition of nonprofit organizations, as well as a social enterprise on the main floor, and a green building with a green roof and lots of cultural and social diversity. Next slide, please. Is this me, Carolyn? Oh, I had it down as you, but that. Okay. Yeah, I can do it. Okay, so accessibility is super important. We need to have offices of different sizes as well as permanent office space for the three organizations I mentioned. We need to have a variety of programming in the Empress, preferably free programming most of the time, or low cost programming, and definitely access to people with reduced mobility and strollers and things like that. Next slide, please. It has to be open to everyone. It can't be just kind of an elite group of NDG residents that have access to the programming. It needs to be safe and welcoming. We need to have some storage space in the basement. And I cannot underline this enough. We need social housing in this neighborhood. 25% of NDGers live in poverty, and we have a deep, deep lack of social housing in NDG and haven't seen any new developments in years. And we're very concerned that, that there was no consultation around the housing component. So we're triple underlining the need for social housing here. Next slide, please. So part of our vision for the Empress is emphasizing interdisciplinarity. We're looking at varied music, dance, visual arts, reading, poetry, slam, films, multi-genre, classical, contemporary, traditional world music, and also looking for amateur, we want it to be accessible to amateur and as well as professional artists. We envision a multi-use space, something where seats can be moved around so that we can accommodate different types of artistic expression and artistic activities, like an open design room. Programming will be in English and French, and hopefully in we'll be able to have some other languages, and be some kind of bistro with food, that variety of food, which reflects the cultural diversity of NDG.
community management is very important. The great model of Les Amis du Parc NDG is something to look at, and possibly a rotating management structure according to the capacity and the resources of the different organizations involved. Like, this is an opportunity to think outside the box and to really ensure that the community takes leadership on this project. Next slide, please. So we want to see resident participation in determining the programming and access to the space. The NDG Community Council can really take a lead here in mobilizing residents, and ideally a social enterprise on the main floor that is family friendly, that might maybe has a small stage space in it as well, so we can maximize the possibility of venues and diverse funding, public, private, and community. Next slide, please. So we're looking at, we'd like the building to actually be a green building with a green roof, like growing food on the roof and in around the building, and a possible link with social enterprise on the ground floor. Maybe provide urban agriculture workshops, and you know, that would, and also have some kind of partnership with the NDG Food Depot and NDG Transition. The green building would be made like LEED construction. That's an acronym. It stands for Leadership in Energy and Environmental Design. So that's an internationally recognized green building certification. So that's something that we'd like to see once the building is renovated. Maybe even a space on the roof for rental, for private events or community events to bring in some revenue. Also we'd like to see a direct link to programming activities in Girouard Park and protection and exploration of the Falaise Saint-Jacques. And NDG, as we know, is a very diverse neighborhood. We'd love to see this reflected in the programming. And also just to be supportive of social movements such as Montreal versus Racism that we've seen in Girouard Park across the street, and the recently developed archives project could potentially have a home in the Empress as well. Next slide, please. So to sum up, Caroline, go for it. Oh, okay, sure. So we want, we would like a permanent space for our organization, you know, along with multifunctional spaces with programming, which reflects the diversity of our neighborhood, in a green building with social housing and social enterprise, and a ground floor, which is managed by the community. So thank you so much. Follow us on Facebook, and we look forward to getting back to programming. Stay safe, everyone, during the pandemic, and thank you for this opportunity. Thank you. Thank you very much, Ms. Marlowe. Thank you very much, Ms. Dick. It's the time for the période de questions. It's question period. Merci, Alain. I'm pretty sure there's at least going to be one question from somebody who was there yesterday. Who, me? Yeah. I addressed the letter to you, Nicola. Instead of me bringing it up, I'm hoping you could put it on the survey. Yeah, okay. Monsieur Bandeau était là hier. J'ai peut-être une question. Si personne en a, you can just raise your hand or put that little question in the chat. I have to trying to find my Yolande, tu l'as sous les yeux? Sinon, oui, je l'ai sous les yeux. Tu l'as juste écrit en anglais. So ouais, the question he wrote was in English, and then I'll let him translate it in French. So it was, what links do you make for La Roche d'Or? What links do you make for your proposed community activities and the cultural and artistic activity in the future building? What community needs should be located in the Empress and why? Carolyn, do you want to start?
Oh, wait, you're muted. You're muted. No, you can start. Yeah, so I mean, as we outlined in our presentation, we'd like to see a diversity of programming, multidisciplinary programming, but ideally permanent space for the three organizations that we mentioned. Between the three of these organizations, PAL, NDA, and the NDG Art Hive, we bring a lot to the table. We already have a really strong grasp of how to offer diverse, accessible programming in the neighborhood. So we feel that we would be able to meet everybody's needs and more. And accessibility was something also that we talked about. It's important that the building's accessible, but also programming for different ages, different languages, different cultural backgrounds. So I think that answers the question, hopefully. Thank you. I think Ms. Sharon Leslie has a question also for you. It's not so much a question as just wanting to add one comment. And it's about the need for social housing. I heard, or it's been said, that the home ownership, the condos, could be for artists. Most of the artists I know in multiple different disciplines are poor. They're struggling financially, therefore highly unlikely to be in the category of even affordable home ownership. We've lived that at Benny Farm. We created affordable home ownership condos here, and most single artists would never be able to afford that. So I just want to put that out. If we're wanting to make a link with the housing and the artistic community, social housing or a co-op for artists is the way to go, because they will not be able to, most of them will not be able to afford to purchase a condo. Okay, thank you very much for this comment. Is there any comments or questions? Non, ça va. Ouais, j'ai vu une main apparaître. Monsieur Bonder. Monsieur Bonder. I just want to double thank Sharon Leslie for that comment about a co-op approach. Thank you. Parfait, merci. Alors, nous allons lancer notre petit sondage. So there will be the quick one question survey that will pop up on your screen any moment. Just have to cast your vote now. Je vois pas, Maxime, si tout est rentré, donc. Je présume que c'est bon. Alors, merci beaucoup. Fermé, on avait à peu près 67% de participation. Ah, excellent, merci beaucoup. Thank you very much, Ms. Ritchie. Before going to the next presentation, we have now Ms. Montgomery. Maybe you want to say a little word? Sure. So this is the second night of the consultation. So I want to thank everyone for coming, and I sat in on it again also last night, and it was really exciting to hear all and see the presentations and to hear all the various ideas. And so I'm really excited to have everyone's input. Many of you have a ton of experience, obviously, in the borough and in community work. So we really look to you for your opinions and your input. So merci beaucoup d'être ici ce soir, et je vous souhaite un bonne soirée. Merci beaucoup à tous les participants et participantes. Je pense qu'on a combien ce soir? Quatre présentations, c'est ça? Ou quatre, cinq? Oui, quatre. Alors, j'ai hâte de les voir. Et si vous avez le temps, s'il vous plaît, rejoignez-nous demain soir aussi pour voir les autres présentations. Parce que je vois qu'il y a
beaucoup de créativité dans notre arrondissement et je suis très fière de ça. Alors, et j'ai hâte de travailler avec vous pour trouver une solution that suits everyone. OK. Alors, avec ça, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Nicolas. Et merci Nicolas et Yolande et Jean-François pour votre travail. Je ne sais pas s'il y a une autre personne, non? Ou toi, très efficace à trois. D'accord. Parfait. Merci beaucoup pour votre travail. Merci beaucoup, Monsieur McQueen. Oui, merci, Nicolas. So I just want to thank Marlo, Sharon, Carolyn, everybody else involved in this presentation, Renee, Michelle. This is an excellent presentation. You guys have a long history of contributing to the arts and culture in the borough and in NDG especially. And I would take your proposal very seriously. It looks really good. So thanks a lot. Thanks, Peter. Thanks, Sue. Merci beaucoup. C'est Monsieur Bernal, ça va être à vous de prendre la parole. Jean-François va vous projeter votre présentation. Voilà. And I just wanted to remind people that during the presentation, please do not use the chat because it's distracting for the person giving the presentation, please. C'est bon. Ah, je peux y aller? Parfait. Bonsoir tout le monde. Pour ceux que je connais déjà, content de vous voir encore. Pour ceux que je ne connais pas, enchanté. Et j'aimerais commencer par remercier tout le monde jusqu'à présent qui ont présenté et ceux qui vont présenter. Je trouve que c'est vraiment le fun de voir que toutes les idées que tout le monde lance, on est quand même tous sur la même longueur d'onde. On est pas mal tous sur la même page de ce qu'on voudrait voir sur le théâtre, le nouveau théâtre Empress. Et là, je vais prendre le temps de parler un peu de ce que Notre-Dame des Arts a lancé comme idée, notre vision. Alors, pour commencer rapidement, nous, notre idée comme projet, ce qu'on avait, c'est tout simplement le théâtre Empress. C'est ce qu'on a donné comme idée lorsqu'on a fait les premiers appels la consultation publique la première fois qu'on a rempli le formulaire. On a décidé de nommer le théâtre Empress et on va parler un peu du volet qu'on s'est concentré à développer un peu plus. Si on pourrait passer à la prochaine diapo. Merci. Alors, un petit à propos de Notre-Dame des Arts, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Notre-Dame a été fondée en 2015. On est un organisme à but non lucratif, un organisme caritatif. Notre mission, notre vision, en fait, c'est vraiment de soutenir les arts locaux, supporter les artistes de NDG, supporter toutes les initiatives artistiques, des projets artistiques. Depuis 2015 qu'on est au quartier NDG, enfin, on a toujours été. Pour ceux qui savent un peu de l'historique de notre organisme, on était anciennement connu sous le Centre culturel Empress, qui avait essayé de revitaliser le théâtre il y a quelques années. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Et ensuite, on s'est réorienté pour devenir Notre-Dame des Arts et on a mis notre mission culturelle plus vers supporter les initiatives artistiques. Alors, depuis 2015, on a créé plusieurs événements et depuis 2019, on a fusionné avec un autre organisme qui s'appelait la Semaine des Arts. Et avec la Semaine des Arts, en fait, on a pris en charge tous les projets qui étaient la Semaine des Arts NDG, qu'on vient juste de célébrer notre 11e édition en août. On a aussi pris en charge le festival Imagine Monkland, qui est une nouvelle version du festival Monkland qui a été créé en 2018. Le projet des Amis du Parc, qui a été débuté en 2019. Et le Marché des Arts Mandat, qu'on organise à chaque année. Cette année, l'année passée, en décembre, on est passé à une version virtuelle, mais on essaie de créer un marché virtuel ou un marché artistique pour les artistes et les artisans locaux du quartier. Alors, en gros, c'est ce qu'on fait. Juste un petit survol, petite équipe, on est deux. Présentement, il y a moi, René Bernal, et il y a ma collègue Michelle Baxter qui est aujourd'hui aussi présente dans la rencontre.
Alors, deux directeurs qui s'occupent de gérer les projets. Et notre conseil d'administration, on vient tout juste d'avoir notre AGA il y a pas longtemps. Et on a un nouveau conseil d'administration. C'est vraiment un beau conseil que je trouve qui est un mix de citoyens, d'artistes du quartier qui vont vraiment, je trouve, nous aider à propulser l'organisme de l'avant un peu plus. Alors, prochaine diapo. Parfait. Alors, je vais parler aujourd'hui du projet, de l'idée qu'on a remis à l'arrondissement, qui s'appelle le Théâtre Empress. Et dans le fond, vu qu'il y a les trois volets, qui est le volet habitation, le volet communautaire et le volet commercial, nous autres, on s'est concentré à développer un peu plus le volet communautaire parce que c'est quelque chose qui tomberait plus dans notre mission ou dans notre vision à vraiment faire grandir le côté communautaire, côté programmation artistique. Je pense que de cette façon qu'on pourrait supporter un peu plus notre mission puis qu'on pourrait contribuer à un nouveau projet Empress dès que ce sera possible. On s'est basé sur la proposition qui avait été remise il y a une couple de mois. Les trois éléments prioritaires qu'on avait réussi à définir, c'est en fond, ce qu'on voudrait voir, c'est numéro un, salle de spectacle, numéro deux, espace communautaire, et numéro trois, tout ce qui est pratique artistique amateur. Alors, dans la présentation, je vais rentrer un peu plus en profondeur pour chaque point. C'est quoi qu'on voudrait voir, puis c'est comment on envisionne pour le théâtre Empress. Merci. Alors, numéro un, on parle de salle de spectacle. Et je pense que je trouve ça super intéressant, puis c'est par le fun qu'il y a beaucoup, c'est le point qui est souvent revenu dans les présentations qu'on a vues jusqu'à maintenant. Puis c'est quelque chose qui est tout le temps en discussion lorsqu'on parle de l'Empress, c'est vraiment trouver une salle de spectacle. On se rend compte, nous, en tant que producteurs d'événements culturels, on a la chance de vraiment s'installer dans des espaces publics comme le Parc Giroir ou le Parc Charles-Saint-Pierre, mais ça serait toujours avantageux de peut-être avoir une salle de spectacle multifonctionnelle où on pourrait accueillir des groupes artistiques. C'est vraiment quelque chose qui manque dans le quartier. En parlant avec tous les artistes qui sont présents ici, je pense que le problème numéro un ou l'enjeu numéro un pour eux, c'est vraiment trouver une salle de diffusion, tout simplement. Parce qu'il y a tellement de contenu à donner, il y a tellement de talent à offrir. Et souvent, c'est du talent qui déménage, mais qui doit trouver une salle de diffusion en dehors du quartier. Et ça serait quelque chose qu'on voudrait voir, c'est vraiment avoir une salle où on pourrait accueillir vraiment une grosse variété de programmation entre des artistes locaux, même des artistes de renommée internationale qui seraient de passage en tournée, qu'on pourrait les accueillir dans une salle qui serait vraiment à la hauteur pour ce genre de concert. Puis on a aussi dans les quartiers, on a nos propres festivals communautaires. Nous, par exemple, la Semaine des Arts NDG qu'on organise à chaque année, Prévention, Côte des Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, qui a l'événement Hip Hop Beat Don't Stop, Palentiel, qui a Dia de los Muertos. Il y a tellement de petits festivals communautaires qui se passent, mais ce qui manque souvent, c'est la salle de diffusion. Puis on croit qu'avec l'intégration d'une salle de spectacle dans le théâtre Empress, on pourrait accueillir ce genre de festival. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on pourrait aussi accueillir des événements satellites. Là, j'ai mis par exemple, disons, le Festival Mutec, Festival International Jazz de Montréal, qui commence à faire des événements satellites un peu partout. Dans différents arrondissements, si on pourrait avoir une salle qui pourrait accueillir ce genre d'événement aussi, c'est quelque chose qui serait vraiment le fun, qui serait vraiment avantageux pour les artistes locaux de vraiment avoir une salle pour eux, puis quelque chose de côtoyer aussi avec des artistes qui sont bien établis, qui pourraient venir ici dans le quartier. La salle de spectacle, en fait, c'est une salle de spectacle, je pense que j'ai déjà dit, c'est multifonctionnel. C'est quelque chose qu'on verrait qui pourrait être adaptable, soit des spectacles de danse, théâtre,
j'ai oublié de mentionner l'opéra aussi. On a d'habitude l'opéra dans le parc. Mais ça serait vraiment quelque chose de voir l'opéra dans une salle qui serait capable de les accueillir et qui serait adaptable pour ce genre de prestations. Et vu qu'au début, mais le théâtre, c'est vraiment, ça a commencé comme le cinéma, c'est quelque chose qu'on voudrait retenir, fait que ce serait quelque chose qu'on pourrait intégrer aussi, que ce soit adaptable pour des projections de films et quand même retenir le côté cinéma de ce que c'était l'Impress lorsque ça a commencé. Parce qu'en gros, c'est ça qu'on voit, c'est le manque, parce que le talent est là. Il manque juste l'espace pour pouvoir vraiment diffuser puis accueillir les gens puis accueillir les artistes qui voudraient se présenter dans le quartier. Alors, prochaine diapo. Là, c'est juste des photos un peu, par exemple, des événements qu'on a créés. C'est des événements qu'on a fait en live stream ou des événements qu'on a fait dans des espaces publics comme le parc NDG. Mais ça serait, on a de l'opéra, on a de la danse, on a de la musique. Le genre de spectacle qu'on pourrait accueillir dans le théâtre Impress. Point numéro 2 qu'on s'est dit, ça serait vraiment d'avoir un espace communautaire. Alors, comme on a discuté aussi dans les présentations précédentes, des groupes communautaires, groupes artistiques qui cherchent souvent des espaces communautaires pour créer soit des ateliers d'apprentissage, des ateliers d'art, un espace collectif pour des artistes locaux ou des artistes de la ville de Montréal ou du Grand Québec ou international, on ne sait jamais, qui pourraient créer des ateliers d'art. Et on veut viser, on veut vraiment varier un peu le genre d'atelier puis le genre d'espace communautaire. On veut voir quelque chose qui se concentre sur les familles, d'autres programmations qui se concentrent plus sur les plus jeunes, pour les personnes âgées, les professionnels, des ateliers intergénérationnels, que je crois qu'on a mentionné quand même plusieurs fois durant les présentations. C'est quelque chose qui... Il y a un manque. Je pense que l'idée... Les idées sont là, puis les organismes veulent le faire, il manque juste l'espace pour le faire. Puis je pense que le Théâtre Impress, ça serait un endroit idéal où on pourrait créer des ateliers, où on pourrait créer des salles d'apprentissage pour ce genre de d'activités ou de projets. On parle aussi des salles de conférences qui pourraient accueillir des conférences, des activités communautaires, des AGA, des consultations publiques comme ce soir, qu'on pourrait tenir dans un Théâtre Impress, dans une salle. On parle aussi d'activités parascolaires. Déjà, l'emplacement du théâtre qui est entouré de garderies, il y a des écoles qui ne sont pas trop loin. L'endroit idéal, parce qu'on est à proximité des écoles pour vraiment avoir des activités parascolaires, pour faire des ateliers d'art ou des ateliers d'apprentissage. Et comme on voit aussi un peu diviser le théâtre, on parle aussi d'une terrasse sur le toit. Peut-être un jardin communautaire. Un jardin communautaire qui pourrait alimenter les résidents du quartier, les résidents qui seront en habitation dans l'Impress, aussi qui pourraient fournir... là, on parle de bistrot-café, je vais développer un peu plus là-dessus dans pas long, mais quelque chose, un bistrot-café qui pourrait être présent au rez-de-chaussée, qu'on pourrait de farm to table faire des préparations comme ça. Fait que la terrasse, ce serait aussi un endroit idéal pour accueillir des artistes amateurs ou durant l'été faire des ateliers communautaires. Prochaine diapo. Et là, on parle... Là, je vous montre quelques photos encore. On est fier de quand même déjà voir des collaborations. De fait, Marlo l'a juste mentionné dans la présentation. On a déjà beaucoup de collaborations qu'on a faites avec Parle MTL, avec la Rocheteur NDG, avec Transition NDG pour créer des ateliers communautaires. Fait que, on est là pour vraiment offrir ce genre de projet pour le volet espace communautaire. Point numéro 3, la pratique artistique amateur.
Lorsque ce qu'on envisage, en fait, c'est une plateforme pour les artistes amateurs. Non, j'ai parlé de salle de spectacle plus tôt, mais là, ce qu'on voulait dire par pratique artistique amateur, c'est quelque chose, une petite salle qui serait en complément de ce qui serait l'espace commercial. Puis pour nous, on voit ça comme une opportunité pour les artistes de la relève qui auraient un espace qui, pour diffuser leur art ou diffuser n'importe quelle discipline artistique qu'ils pratiquent. Fait que là, c'est ce qu'on veut dire par là, pratique artistique amateur, c'est vraiment, on a notre salle de spectacle, ensuite on aurait peut-être un deuxième espace de performance qui serait en annexe à soit aux ateliers d'espace communautaire ou soit en annexe à l'espace commercial. Et là, on pourrait accueillir vraiment des artistes locaux. Disons, par exemple, les événements de comédie, des fois, qui se tiennent au Sheka, ce serait le genre d'événement qui pourrait accueillir dans la deuxième salle de performance. Et c'est quelque chose qui est vraiment le fun aussi d'accueillir des ateliers de médiation culturelle dans le deuxième espace. Fait que c'est vraiment une variété de vraiment juste pour varier un peu entre il y a la grosse salle de spectacle, ensuite on aurait la petite salle de spectacle pour quelque chose d'un peu plus local. Prochaine diapo. Et là, on parle de peut-être une idée de bistrot café avec des conversations communautaires. Puis des artistes amateurs qui seraient capables de vraiment créer la programmation pour la pratique artistique amateur. Et là, juste un petit aperçu du volet commercial. Ce qu'on verrait pour le volet commercial, c'est vraiment un endroit pour offrir des produits alimentaires locaux, des mets préparés sur place, peut-être un petit café, micro-torréfacteur, micro-brasserie ou peut-être en partenariat avec, là je parle de l'association des commerces d'NDG, BizNDG, avec qui on a encore une bonne collaboration depuis le festival Imagine Monklin. Fait que ce serait vraiment ils ont un réseau de commerces locaux qui pourraient vraiment s'implanter dans le théâtre Impress. Puis le volet commercial, ce serait quelque chose qui pourrait supporter beaucoup. Le volet pratique artistique amateur et le volet de salle de spectacle. Là, je parle de partenariats avec BizNDG, peut-être des partenariats avec une microbrasserie locale, avec le Food Depot ou d'autres banques alimentaires qui pourraient aider aussi pour le prochain diapo. Et là, ça, en fait, c'est l'idée qu'on a soumise de programmation. Disons pour une semaine, je vois ça puis ça donne beaucoup d'anxiété parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps en une semaine, mais c'est juste une idée. En fait, c'est juste une idée de ce qu'on verrait de genre de programmation. Disons ça, pas obligé d'être une seule semaine d'un mois, mais ça peut être comme peut-être au courant d'une année, le genre de programmation qu'on pourrait voir, des salles de conférence où on pourrait avoir des rencontres communautaires, des salles d'atelier. Là, je parle de salles de spectacle, de salles de répétition. On fait mention du bistrot café où on pourrait accueillir les gens. Terrasse sur le toit. Puis dans les salles de spectacle, on parle de différents types de productions. Fait que là, on parle de concerts, on parle de performances de danse, on parle de théâtre, on parle d'opéra. Conversation communautaire, on parle d'activités parascolaires, ateliers intergénérationnels, des lunch and learns qu'on pourrait avoir pour des ateliers d'apprentissage. Fait que c'est juste un aperçu de comment on verrait un peu une programmation idéaliste d'une semaine au Théâtre Impress. Prochaine diapo. Et là, on s'est amusé un peu à créer comme un peu de plan de salle de comment on verrait le Théâtre Impress. On a juste divisé, on a juste pris ce qui serait le volet communautaire. On n'a pas pris en compte le reste. Alors, volet communautaire, là, on parle de, comme j'ai dit, des salles d'atelier. Ça serait la salle de spectacle
avec un petit bistrot café qui serait présente au premier étage ou disons au rez-de-chaussée. Prochaine diapo. On peut revenir à la présidente. Ouais. Juste pour vous dire, vous êtes à 18 minutes, monsieur. OK, parfait. Je finis bientôt. Et là, on parle de terrasse aussi, si vous voulez voir outside seating with community planters. Fait que c'est une idée de vision comment on voit ça. Prochaine diapo. Là, on parle deuxième étage d'une salle multifonctionnelle, salle de spectacle. Prochaine. Et au troisième, on verrait peut-être salle de conférence, salle de espace communautaire. Prochaine diapo. C'est ça. Fait que juste quatre points pour finir. C'est notre vision ferait vraiment créer le théâtre Impress, le faire reconnaître, être un centre culturel reconnu. On veut aussi sauvegarder le théâtre Impress pour passer un patrimoine culturel pour la formation d'une identité communautaire. Et ça nous permet aussi de mettre l'avant la diversité artistique et culturelle du quartier NDG. Et ça nous permet aussi de créer des emplois et de renforcer l'économie locale. Prochaine diapo. Et en fait, c'est tout. Là, c'est juste un aperçu des partenaires avec qui on peut compter de leur appui au courant des dernières années. Et pas mal, ça, en gros, notre vision du Impress. Excellent, merci beaucoup. Il n'y a pas à dire, il y a beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas? There's a lot to say. C'est la période de questions. Is there any questions? You can either raise your hands electronically or add your question in the chat. Pas de questions? Oui. Ah, je vois pas votre main. Il y a deux écrans. Hein? Alors, excusez-moi, Monsieur McQueen. Monsieur McQueen, Madame Leslie, et Sharon Leslie, et voilà, on va commencer à ça. Monsieur McQueen. Parfait, merci. Thank you for the presentation, Renee. Very interesting. I'm just wondering about the two concert halls, one more professional and one more for amateurs and smaller. Did I understand correctly? Is that what you had in mind? Would it not be possible to put the two together in one and just have kind of different uses on different nights? We were thinking more of two. The second one that we're envisioning is more like on the second floor, and that would be more of a professional concert hall, small to medium size concert hall. And the smaller venue would be something that would be probably in addition to the commercial space that would be on the first floor. And like we don't want to, I guess the way we saw it is that if we have local artists or local performance artists that just want a platform, they don't necessarily need the big stage of a big concert hall to put on a performance. Like it would be great to just have an additional smaller one where we can host a smaller crowd and just something a bit more acoustic, a bit more organic. Perfect. Okay. Thank you. Ms. Leslie? Yes, my question was similar to what Peter was just asking. Really some clarification, because I too had understood that the Salle de Spectacle was for international and or top artists, and that I think you used the word local artists would be in the smaller space. And I'm wondering whether that has to be hard and fast. There are some local artists that might draw larger crowds. And just why does it need to be divided in that kind of way? And if there's profits being made from the Salle de Spectacle, would you folks see that being somehow part of it, part of the profits being fed back into the nonprofit that's running it, or for something that would benefit artists, like potentially bursaries or some form of support? Anyway, though, that's my clarification question. Yes, I mean, that's the way we see it.
I mean, I guess it just depends. I mean, when we say international artists, it doesn't have to be the biggest artists that, you know, they're touring, but some well-known artists. And I think in terms of the booking of who the artist might be, it can be, you're right, it can be a local artist that has a big draw that could probably fill out the concert hall venue. But it's sometimes what we see, you know, working all these projects is that we have smaller, just local residents that would like to have some space where they can practice or in front of a crowd or something like that, and not necessarily to access the venue. And in terms of the retombée of the salle de spectacle, I guess it would depend on the stature of the artist, but a lot we see it like being, yes, reinvested back into the project or the group that is managing the thing to be able to continue offering programming throughout the year. Yeah, and if you don't mind, I just add to that. I'm Michelle. I'm a director with NDA also, and I think Sharon, we're not necessarily saying that this is a hard and fast rule. You know, only international touring bands get this, you know, second floor space, and only local artists get like a small stage in the bistro. It's about finding the right space for the right artist. And one of the things that we're really lacking in NDG is venue space. We have very little space where not just musicians, but also, you know, opera, as we said, dance, etc., can perform and gain access to an audience. And I think that by splitting the venue space, you can have two things going on the same night. You can cater to the needs of different artists and different audiences. We already have, you know, huge venues like the Bell Center. We're not advocating for something like that, but we are advocating for something that does cater to the needs of this community, which is that we just don't really have any venue space that's accessible, especially in sort of in the east end of the borough. And in terms of how the finances would work, I mean, none of us know how this project's going to pan out yet. We would love to see an organization such as ours, a nonprofit with extensive experience of running programming in this neighborhood, manage a space like this. But in terms of the money coming back, if a touring band was going to come and it was ticketed, you know, the money is not just coming to the venue, it's going to the band, it's going to the people who do the roadies and the lights and everything. You know, it's not just coming to the venue. So there's that. And then any money that would come back to the venue, if it was run by a nonprofit such as ourselves, we constantly reinvest in local artists. What we do as our mandate is raise funds to support local artists and to lift them up and give them a platform. So any extra money that would ever come into us always goes straight back out again into our community, into promoting artists and ensuring that everybody has a fair platform to show their work. So I'd like to think that absolutely the money would go back to the artists eventually in some way or another. Excellent. Propos très éclairants, vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Monsieur Bernard, Madame Baxter, thank you very much. So c'est l'heure du petit sondage, our little survey, as it was mentioned before. You will see it appearing on your screen in a few seconds. Voilà. Parfait, je pense que nous avons tous nos votes. Merci infiniment. Thank you very much again. Monsieur, is it going to be Miss Hernandez or Mr. Pal? From Pal, partageons. Raphaël. De Mont. C'est Raphaël. Mm-hmm. Voilà. It can be, yeah. Oui. Yeah, no problem. Donc, vous m'entendez bien? Oui. Oui, d'accord. Donc, merci beaucoup.
Avant de commencer, ça, c'est pas la bonne, ça, c'est un peu avant, de bonnes slides. Mais donc, et d'abord, j'aimerais remercier le temps pour présenter cette proposition. Et je vais présenter deux concepts. Beaucoup de choses sont déjà dites. Je vais faire la présentation en français, mélangée en anglais, espagnol. Non, pas espagnol. Et donc, j'aimerais, avant de commencer, si on peut passer à la prochaine diapositive, ce qui nous inspire. Et c'est tout en reconnaissant d'abord que nous sommes dans un territoire non cédé et qui, pendant très, très longtemps, même d'arrivée de tous nous, était gardé par des nations Ganyingehaga, parmi d'autres aussi, et qu'eux, ils ont été des gardiens des ressources, des terres, des eaux. D'ici, cette image de Chautage, les anciens noms de l'île de Montréal, qui, ça veut dire les lieux où les... lieu de rassemblement où les eaux, I would say that in English, place where the nations and their rivers unite and divide. Et la question, cette image nous a inspiré beaucoup parce que si vous regardez les fleuves qui traversent par ici et par là, et au lieu de diviser, c'est une invitation d'aller croiser de l'autre côté le territoire qui nous appartient pas, mais la culture et les activités, la communauté, c'est en fait un ensemble de richesses et diversité. Donc, si on passe à la suivante, tout en reconnaissant alors à ces nations qui ont été avant nous ici. Donc, et le contexte, vous connaissez déjà, démographique, je ne vais pas trop attarder. Et Montréal est une très riche dans sa diversité culturelle. Les statistiques sont là, évidemment. Les 34% des immigrants à Montréal, un NDG, le district de Notre-Dame-des-Sœurs, c'est à peu près 30% des immigrants, dont 24% de minorités visibles. Et le district Loyola, c'est plus élevé, 45% des immigrants, 45% de la minorité visible. Donc, ma proposition ici, si on peut passer à la prochaine. Et voilà, merci. Ça sera vraiment pour inviter, nous ne sommes pas ni des architectes ni urbanistes, mais ce qu'on veut comme pâle en fait, c'est de tenir des ponts, des collaborations. On a déjà entendu l'Archives, NDA et tous les autres organismes communautaires et personnages d'ici d'NDG avec qui on aime collaborer et on est pour ça. Effectivement, PAL est un organisme comme tel qui favorise les rapprochements interculturels à travers des arts et des traditions du monde. Nous, nos activités, événements ne sont pas seulement artistiques et culturels, sinon on veut que ça soit une expérience de dialogue. Et c'est pour ça que je vais présenter cette vision de l'inter-NDG, comme on est appelé sur les concepts. Et parce qu'on veut veiller que la représentation de la diversité soit là, même que ça soit partie de l'ADNA du projet. Donc, ça pour dire, oui, la prochaine, s'il vous plaît, la prochaine diapo. Et sont un peu les projets parce que nous, on travaille dans trois volets, grands volets, les volets artistiques, et le volet éducationnel et communautaire, justice sociale. Là, autour de l'écran, vous allez voir des projets que nous avons créés en général pour utiliser ou toucher ces trois volets. Et ça, c'est en fait qu'on propose pour l'impresse, que ça ne soit pas seulement un lieu artistique, ni communautaire, ni éducation, mais sinon que ça rassemble par les différents projets et la programmation qu'on pourra peut-être voir, mais que ça touche. On veut que ça soit un lieu vraiment pour tout le monde, où la diversité soit présente dès les fondations mêmes et la collaboration avec les autres organismes, comme je disais. Et je passe très rapidement. Dia de Muertos NDG, c'est peut-être une réalisation la plus grande de notre organisme. On le fait chaque année, en mois de novembre. C'est un événement de partage sur les traditions funéraires, mais d'une autre vision, un respect des cycles de la vie et la mort. Et on a eu la collaboration de plusieurs artistes, tant de la diversité comme des artistes ici et des autres échanges.
dans les volets éducationnels, on a Arts après l'école, collaboration avec les centres communautaires Walkley et West Haven, et parmi les autres projets. Donc, le fil de la mémoire seulement qui va se présenter bientôt dans la Maison de la culture indigène, le 26 février, vous êtes invité, mais c'est une annonce. Si vous intéressez, je peux lancer l'information, partager l'information. Donc, on passe à la suivante, qui ça, c'est vraiment notre proposition. Et ça, c'est quelque chose de conceptuel. Et j'insiste, on n'est pas des architectes. Mais moi, je suis médiateur interculturel, j'ai une maîtrise en médiation interculturelle. Ma partenaire est en train de finir la maîtrise en gestion d'organismes artistiques. Donc, avec cela, on veut vraiment que le Inter-NDG soit un lieu holistique, inclusif et interculturel. Et j'explique ces trois. Vous me dites si je vais trop vite. Hein? Si mon français, je vais parler en espagnol mieux, ça m'est plus facile pour moi de parler en espagnol. Mais non, je ne pense pas que vous allez comprendre. Donc, et holistique. Et si on passe à la suivante, s'il vous plaît. Je vais rapide. On veut, pourquoi on dit holistique? Parce qu'on n'est pas des morceaux. En fait, si on prend une définition gros de la culture, ce n'est pas seulement la culture point de vue artistique. Sinon, tu es très distinctif d'une communauté ou des individus. Ici, en NDG, on est très, très caractérisé par notre différente façon et relation de cette créative intellectuelle, mais on a un côté émotionnel, nos relations spirituelles, et artistiques, sociales et physiques. Tout ça forme l'ensemble de la culture. Et effectivement, il est déjà mentionné par NDA et aussi par Archives qu'on veut que cette Empresse ou Inter-NDG, ça c'est le concept qu'on propose, c'est un cultural hub, mais faites attention, et pas seulement prendre la culture en art. Les amateurs et professionnels se rencontrent, oui, mais comme les autres chapeaux qu'on a dans nos vies. Oui, donc on va regarder un peu plus en détail, si j'ai le temps. Et, mais c'est holistique. De Inter-NDG, que ça soit un espace où toutes ces choses se rencontrent. Prochaine, s'il vous plaît. Et l'inclusif, parce que là, ça, c'est le point. On veut que, si on peut suggérer à la firme architecturale ou qui vont mener le projet, que les optiques de la diversité et les esthétiques de la diversité soient prises en considération. Et je ne sais pas si vous regardez mon photo à moi, le fond d'écran que j'ai mis. On pourrait voir à la fin peut-être dans les temps de questions, mais ça représente un peu ce qu'on voit parce que c'est la diversité qui est présente et l'inclusion et on veut que les gens se sentent et appartenir à un lieu. Et là où l'empresa est située, c'est loin en fait des secteurs moins favorisés, comme je disais, West Haven ou de l'autre côté de l'arrondissement. Donc, on veut que ces gens-là viennent et qui sont partie de ces communautés, pas comme une étrangère, sinon que c'est sans refléter et valoriser dans sa diversité. Et déjà, on est dans les mois aussi le mois de l'histoire de Noir. Donc ça aussi, il faut que ça soit partie de code génétique de notre centre inter-indigène. Ou le nom, c'est évidemment juste un nom clé. Si on peut passer rapidement à la prochaine. Et parce qu'il faut que ça soit un centre interculturel. Si on parle d'interculturel, c'est compliqué, mais c'est très facile. Reconnaissance de la diversité, égalité des droits pour tout le monde et interaction productive. Donc, on veut que toutes les personnes qui se rassemblent à l'intérieur de l'inter-indigène soient vraiment, se sentent accueillies. Et à niveau, je parlais tantôt de les optiques et les esthétiques inclusives. Donc, on ne veut pas que le lieu soit comme froid, les mobilières, les couleurs sombres, modernes, mais comme un peu séparé de la vie des personnes, de la communauté en général. Et c'est pour ça que l'interculturel, il faut que ça soit absolument, pas seulement une représentante latino-américaine, une noire et trois chinois, bon, voilà, sinon qui réagissent vraiment à la relation qui se vit à l'arrondissement. Et à la communauté finalement. Prochaine, s'il vous plaît. J'ai pas mal, presque fini. Et ça, c'est un plan générique. Alors, je répète des choses qu'on a déjà présentées. Et un espace, oui, de working space, co-working, ça pourrait,
des lieux pour des ateliers d'entreposage de matériaux pour les organismes qu'on a présentés et des autres, bien sûr, mais je pense à PAL, évidemment, NDA et les archives, mais qui a même qui a des espaces pour faire des ateliers de présentation, des salles multidisciplinaires un peu, où ça aussi, ça soit un lieu de rencontre, très important cette notion de rencontre. Et on veut que ces centres, ces lieux s'adaptent, comme je disais, aux besoins de la communauté et pas au contraire, que nous, la communauté, devons nous adapter, ce qui arrive un peu avec les chalets actuellement, non? Les chalets dans les parcs giroirs, et que nous, nous devons s'adapter au lieu que l'espace s'adapte à les besoins des organismes de la communauté au complet. Donc, la prochaine diapositive, c'est trop petit, mais vous pouvez la consulter. C'est juste une idée générique, un exemple des choses qu'on pourrait voir. Mais c'est très important avant de lire. On ne va pas lire, ne s'inquiétez pas trop. J'ai pas mal fini. Et c'est que et des événements qui sont, qu'on sait qu'ils vont passer, disons, le février, le mois de l'histoire des Noirs, mais aussi la communauté chinoise qui célèbre son nouvel an. Très présent dans les inter-NDG et pas seulement les Chinois pour les Chinois, les Latinos pour les Latinos, Dia de Muertos pour les Mexicains, les Mots des Noirs pour les Noirs, sinon au contraire, que ça soit vraiment un centre et on inviterait les gens à venir. Ce qui va gérer la programmation, ça sera à discuter, mais à voir parce qu'on est prêt de collaborer avec des autres acteurs. Mais bon, et je voulais dire, c'est pas mal tout, et parce que j'insiste, plusieurs choses sont déjà répétées. Je consulte mes notes. Exactement. Prendre les finales pour fermer. Les inter-NDG devraient être un lieu qui respecte la diversité, la richesse culturelle de nos quartiers et qui s'allait prendre en considération comme tel. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Et si on peut fermer le PowerPoint, vous allez regarder mon fond d'écran parce que ça, c'est comme une vision. Voilà. Et lieu, vous voyez la masque ici. Ça, c'est le Jewish Community Center in Harlem, in New York. Okay? On se comprend. Mais quand même, c'est un espace qui est chaleureux. Il y a beaucoup de gens qui marchent sur les couloirs des expositions. Donc, c'est un peu notre vision. Sans, j'insiste, on n'est pas des architectes ou dessinateur d'intérieur, mais bon, voilà. Donc, si vous avez des questions, voilà, je la peux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste voir la richesse des visages et autour de l'écran, on peut voir à quel point nous sommes en effet une communauté très riche. Hein? Je pense que c'est très intéressant. So we are just seeing our faces. On the screen is a way also of understanding how we can be very diverse. Exact. Merci beaucoup, Yolande. C'est tard pour tout le monde, y compris pour moi. Désolé pour mon anglais qui sort tout croche. So it's the question period pour la période de questions. Voilà, je suis sûr que vous avez des belles questions, des beaux commentaires pour Monsieur Benitez. Any questions, en anglais, en français? Yeah. English, French or Spanish? Pour ce qu'il disait, en portugais, tu fais un bon tobin? A mucho bien. Merci. Shoot Marlo. Marlo. I know who's giving you a word, but yeah. Hi, Rafael. Thank you for your presentation. And we just love what you do in the neighborhood. I'm curious about, because one thing that didn't come through that I just want clarity on, and maybe for the sake of everybody listening to, is the management of the space. From what I understand, you want that to be community managed, right? And not managed by, for example, the city? No. As a matter of fact, yes. What we are looking for is to be community managed. So we don't want to give this... to need more work, and I wouldn't like to. I'm not wishing that happens something that was like the chalet. So yeah, I think we can take charge of this, the administration of this place, not alone, the whole, right?
Yeah, because one thing I think that is coming through in the three presentations is this idea of a collective community management model, but where you have, you know, a leader like Notre Dame des Arts that has a certain amount of partnerships and experience and quite frankly, the assets and skills to do that. But I know that Pal, that you would also be interested, for example, in having permanent space in the building, right? Yeah. I think I mentioned, maybe my French was a little, to crush me, oui, c'est ça, yeah. D'avoir l'espace, okay. Voilà, la gestion de cette, voilà. That's great, yeah. I just want to make sure that that's coming across clearly to everybody. Y a-t-il d'autres questions, commentaires? Le chat. Yes to community management, very powerful presentation. There's no question, but it's a comment. Okay. Thank you, Marnie. Moi, j'avais peut-être une petite question qui est peut-être un peu différente de celle que vous avez. Puis j'ai lu votre présentation, j'ai vu ce que vous aviez fait l'autre jour. Votre présentation, votre programmation semble tabler beaucoup sur des activités spontanées, de gathering, vraiment spontaneous gathering. Or, la pratique artistique et culturelle souvent se planifie des mois à l'avance. Alors, je me demandais est-ce qu'on est capable de réunir ces deux exigences, l'idée de spontanéité et puis de planification à long terme, et comment vous... Peut-être que juste Yolande veut traduire peut-être un peu cette question-là pour tout le monde. Ask the question in English, and Raphaël, you can answer in French or in English or in Spanish. That's up to you. So your project seems to suggest a rather spontaneous programming and activities. However, we know that artistic and cultural practice is often planned months in advance. How do you propose to combine these two seemingly incompatible requirements? Long planning versus spontaneity. Yes, as a matter of fact, I didn't talk about that. Maybe it was part of the other presentation, but c'est tout au contraire. En fait, oui, les événements artistiques, nous avons préparé ça et nous avons de l'expérience, même comme NDA. On a préparé des événements artistiques qui, effectivement, ont besoin d'une préparation longue à travers des mois. Donc, la programmation qu'on propose, ça sera basé sur des choses sur une base régulière au long de l'année. Disons, je pense, je vais mentionner par là l'histoire du mois de noir, et on sait que c'est en février. Donc, on pourrait commencer à préparer ça en décembre, avant, je ne sais pas combien de mois il va falloir. Et Dia des Muertos aussi, on ne sait pas, en novembre, ça se présente une semaine. Non, ça prend beaucoup de mois, et même les concerts, tout ça, la gestion des événements artistiques, soit professionnels ou amateurs, mais on a besoin, oui. Et nous avons l'expérience de faire ce type d'événements. Même s'il y a aussi la place pour ces événements pop-up qui sont plus les samedis tels ou les mardis tels. Mais oui, on a la capacité de gérer, en fait, Marlo est une experte aussi de ce type de satellite. On va voir, même si on a une régularité dans ce type de satellite. Donc, je ne sais pas si ça répond à vos questions. C'est simplement pour aller plus loin. Monsieur McQueen, vous aviez une question? Oui, merci pour la présentation. Raphaël, excellente présentation. Merci pour tout. Vos efforts durant toute l'année avec le Dia de los Muertos, etc. C'est une question pour toi et pour peut-être les autres aussi. Ça concerne, vous avez fait exprès pour mettre des statistiques sur Loyola. Alors, l'idée, je présumais, c'est que vous pensez pouvoir attirer des gens de Loyola, des immigrants et d'autres de Loyola jusqu'à l'Empress. Mais on sait que beaucoup plus proche de Loyola, il y a trois installations culturelles déjà. Il y a Rudolf Steiner School, où vous faites le Dia de los Muertos. Il y a la bibliothèque et centre culturel Benny, qui se spécialise en danse, mais il y a d'autres spectacles aussi. Et il y a bien sûr Oscar Peterson Hall, où il y a plusieurs événements, concerts, etc.
Alors, est-ce que je voulais juste demander à tout le monde, est-ce qu'on est réaliste de penser qu'on peut attirer du monde de Loyola jusqu'à l'Empress quand il y a quand même une offre culturelle beaucoup plus proche? Alors, je pense que c'est une question qui mérite d'être posée et qu'on réfléchisse dessus. Oui, je ne suis pas certain qu'on va être en mesure de faire un tour de l'écran pour que tout le monde puisse répondre. Mais en effet, je pense que c'est une question très pertinente qu'on peut, à laquelle vous pouvez répondre dans le chat ou peut-être plutôt par courriel parce que les réponses seraient... serait très intéressé à avoir une réponse à cette question-là. Mm-hmm. Si chacun d'entre vous preniez le temps de répondre à la question que Yolande va vous redire aussi dans ses mots et va traduire ce que je viens de dire, là. Oui, juste rapidement, pour moi, c'est la question très importante, Peter, parce que c'est la diversité, la représentation. Donc, il faut faire venir les gens pour que ça réponde pas seulement au secteur, si que, comme j'avais dit, que les gens se sentent représentés dans ces lieux-là. Et les voies de communication, ça sera vraiment à voir, mais de toute façon, sur la rue Sherbrooke, il y a des bus qui passent pour inviter les gens et avoir un lieu de stationnement, j'imagine, mais c'est très important de répondre à ces questions, pas seulement de secteurs, sinon les secteurs moins favorisés. L'autobus 105 et les pistes cyclables, ça va jouer une grande part, certainement. Par exemple, oui. C'est en silence, Nicolas. Oui, là, veux-tu traduire peut-être la question pour tout le monde, pour les inviter à répondre? Après ça, je vous passe la parole à Mme Bédard, vous serez la dernière avant. Yeah, so, well, I think you all understood what Peter was talking about, the questions of how to, with Loyola having different centers already, how to attract people from Loyola to more in the eastern NDG. And Nicolas was proposing that because it's something we really do have to think about to more like we'll have a, I guess we could plan a different type of discussion around this or write in your ideas of how to bring, to get that connection. But I think from reading the comments that you already know, you already have mm-hmm. this connection. But if you have other concrete ideas about this, please send them in by email. Madame Bédard. Oui, bonsoir. Enchantée tout le monde. Moi, je présentais hier soir ma perspective d'historienne sur l'Empress, un cinéma que je connais depuis longtemps, puis j'ai fait beaucoup de recherches depuis 2009. En fait, par rapport à cette question, je travaille dans le domaine culturel depuis plusieurs années. Je travaille maintenant dans un organisme de soutien pour artistes émergents en art vivant qui s'appelle la Serre Art Vivant. On produit entre autres le Festival Ophthéa. C'est lié à une question de public. À quel public est-ce qu'on souhaite, et public au pluriel, à quel public est-ce qu'on souhaite que l'Empress s'adresse? On parlait, Raphaël mentionnait le fait d'attirer les gens. Est-ce qu'on veut que l'Empress soit une destination et pas juste une destination dans le quartier, mais une destination montréalaise? Ou est-ce que on le limite au quartier? Il y a plusieurs maisons de la culture à travers la ville et oui, les gens du quartier vont prendre l'habitude d'aller à leur maison de culture de quartier pour voir le spectacle qui a lieu tous les jeudis soirs à 18h, mais aussi il y a des gens qui vont se déplacer. Donc, c'est l'équilibre entre les deux qu'il faut trouver dans la programmation pour être en mesure à la fois d'attirer des gens qui vont être de l'extérieur du quartier, mais aussi de créer une forme de fidélité chez les usagers principaux qui sont les usagers de proximité, donc du quartier. Et aussi dans le modèle, par exemple, que présentait Sal, c'est que c'est des événements quand même assez nichés. Donc, par exemple, ça va attirer une communauté qui n'est pas nécessairement, réside dans NDG, mais qui potentiellement réside ailleurs. Donc, disons qu'on met la pandémie de côté, là, on vit dans un monde de licornes, il n'y a plus de pandémie. Donc, les gens se déplacent en transport en commun,
Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crainte par rapport à ça, être dans des espaces. Là, il y a une présentation plutôt qui parlait d'espaces de coworking. Dans ce temps-ci, ça, c'est juste pas possible. Mais on pense à du long terme. Donc, je pense que c'est une question d'analyse des publics aussi qu'il faut, je pense, prendre en compte pour le nouveau modèle de l'Empress. Excellente question. Merci beaucoup, Madame Bédard. Monsieur McQueen, vous avez la main levée. C'était de une nouvelle fois ou c'était de tout à l'heure? Excusez-moi, c'est une heure. Parfait. Excellent. Nous allons passer à la dernière présentation. Avant, en fait, nous devons faire le petit vote comme d'habitude. Donc, Maxime va vous projeter ça à l'écran et on vous passe la parole tout de suite après, Madame Stringer. Merci beaucoup. Oui, voilà, on vous avait perdu, Madame Bédard, dans le nom de votre organisme. Nous l'avons mis dans le chat, donc voilà. Alors, merci infiniment, tout le monde. Madame Stringer, ça va être, Émilie Stringer, votre tour de présenter. Jean-François vous projette à l'écran, voilà. Super, merci. Donc, bonsoir tout le monde. Merci pour les présentations, merci d'être là. Donc, je vais faire ma présentation en anglais juste parce que j'ai fait mes études à McGill, donc tout en anglais. Alors, je suis un petit peu plus à l'aise de parler en anglais pour la présentation. Mais si vous avez des questions en français par la suite, ben, n'hésitez pas, je peux répondre en français aussi. Donc, hello everyone, thank you for being here. My name is Emily and I have recently graduated from architecture school. This evening, I will be presenting to you my master's thesis, which proposes that the Empress Theatre on Sherbrooke Street in NDG would become a market. Having grown up in NDG and having passed by it a million times, I've always been fascinated by its detail and its potential of coming back to life. In the case of my thesis, it would alter itself into a new hub for gastronomical experiences that would include several restaurants with fresh produce on site, a functional indoor and outdoor market that caters differently according to the season, rentable multifunction event space, a rooftop terrace and outdoor seating space with programmatic goals linked to the park across the street. So next slide, please. The Empress Theatre is the only theatre in Canada designed in this particular Egyptian revival style architecture and has been long considered one of the most spectacular movie theatres built in Montreal. The building went from being a burlesque theater in 1927 to a Las Vegas style dinner theater and tea room in 1962 to a repertory cinema in 1975. Next slide, please. In 1992, a fire caused the permanent closure of the theater and since then has been abandoned. Next slide, please. So how could we revive what was once a gathering and social space for people of the neighborhood into a building that carries out the same goals, but with a different function while preserving its historical and architectural value? Next slide. The Empress Theatre is located across from one of the most important parks in the neighborhood, one that marks the entrance and beginning of NDG and sits on the main circulation axis, Sherbrooke Street. Next to it, there is a large permanently empty parking space and a few small scale commercial buildings that are mostly food oriented. Next slide, please. So the next five slides sum up the main modifications brought to the building and site. So here's an axonometric view of the existing building on the site. You can go to the next one. For the sake of my thesis, I took the liberty of expanding the site by removing the neighboring buildings. Next slide. I added an extension on the west wing of the building to make room for more program and to shift the main entrance to the side, allowing for a public place threshold between the park and the building. Next slide. I added a second extension to allow access to a rooftop terrace. And then next slide. And I finally sculpted a void through the roof that would bring in natural light to the main space and that would allow for the available remaining outdoor space to become a market and public plaza. As it is considered a heritage building, the Empress Theatre's valuable facade would be restored and maintained. The main structure would stay intact, while
added extensions would complement the existing building with a contrasting architectural style. People would experience the market in the main skylit space and enjoy their food in the ruins of the theater's concrete auditorium. Next slide. Here we can see how the outdoor marketplace connecting to the indoor marketplace, the green space communicating with the park, and the main circulation core at the back of the building. So you can go to the next one. Oop. The idea is to complement the existing Egyptian revival style architecture while adding useful program to the building. Next slide. Here we can see how the main hall could become a marketplace while celebrating the existing auditorium structure and feeling its presence above. Est-ce qu'il y a un problème? Monsieur Bernard, on vous entend. Je vais continuer. So, the next three slides show a series of three plans. What is existing, what would be demolished, and what is proposed. The next slide. By noticing in red what is demolished, we see that what would be kept intact is the main Egyptian facades and the concrete steps of the auditorium. Next slide. That one. So what I'm proposing is to keep what is the most symbolic of the Empress Theater, which is its envelope and core. The goal is to keep the essence of the building by celebrating its history and preserving its amazing detail while experiencing it with a different function. In the case of my thesis, the steps of the auditorium lead to several floors and are all connected by this grand multi-level space. Next slide. The main driver of the project is the auditorium, which is the heart and soul of the building. Next slide. The stage would now have exposed kitchens where people could buy food and enjoy it in the auditorium while watching the cooking as a performance, for example. Using the auditorium as informal seating for dining would be a unique way of experiencing food and the building, and it would acknowledge the existence of what this amazing space once was. Gardens on site could provide fresh fruits and vegetables, and all food in the market could be local. The auditorium could become a multifunction space that could alter itself into a stage when necessary, or even an event space. Lectures about current topics, community discussions, art exhibitions, or even gardening workshops could be given in this grand space. Next slide. So, reviving the Empress Theater as a market would be a way of keeping the building a gathering space as its main occupation while completely changing its function. Its extensions, demolitions, and additions complement the existing structure while preserving its heritage value. By conserving both its detailed facade and impressive concrete auditorium, the Empress Theater's character is preserved and can continue being a symbolic asset to the neighborhood. So that's it. It's a short presentation. Merci beaucoup. Très parlante quand même. Hors de l'ordinaire. Toujours intéressant d'avoir le point de vue des architectes. Always interesting to have this this point of view from the architects. We have a different conception of the of the volumes and the neighborhood also. So est-ce qu'il y a des questions? Any questions? Mr. Bander, oui. You mentioned the parking lot. So who does that belong to? I don't know exactly. I just know that it's often really empty. And so that's why, for the sake of my thesis, I just decided to maybe Mr. McQueen can answer that. I think it's certainly used by the funeral home. I think it's reserved for the funeral home. I mean, I in the project, I decided to take the parking lot in the commercial buildings next to it out of my project, just because my project was fictional. It was for school, so it's not exactly. It was just to propose an idea of what it could be, but it's
The parking lot could still be there. Sure. Could one envision perhaps a multi-use of that parking lot? The parking could be in the basement for the funeral home, and the city acquired territory on top of it. No? It's feasible. If that's a possibility. I think Ms. Montgomery wants to ask a question, and maybe she would like to answer this one. No, I just want to thank you, Emily, and I hope you got a good mark on this, this project. If only it were that easy to just take the land and do what we want with it, even if it doesn't belong to us, that would be great. I think it's really interesting, though, that you're, if I understood correctly, it's sort of centered around food, right? And yeah. My concern with that is that, it wouldn't necessarily be accessible to all people, people, low-income families and so on. The idea reminds me of what the Faubourg once was. You're probably too young to remember when that first went in, but it was this whole concept of market and food and, kind of deteriorated after that. But so I just wondered if you had a comment to make about that, how you foresee it being accessible in terms of reaching everybody of all income levels. Well, how I imagined it was that there would be kind of like different levels, like the market that would be outside and on the main floor would be accessible to everyone, like kind of like a Jean Talon or Atwater Market, and mm-hmm. It's not necessarily extremely expensive. Or I know that more in Westmount, like in there's a church where they have like a farmer's market kind of, where you mm-hmm. can get vegetables and fruits for not too expensive. So how I was imagining the whole project was different levels. So actually in the project, there was high-end restaurants as well. So it's very fictional, but there was like high-end restaurants on the rooftop terrace. And then on the main floor, it's just like a typical market, and then maybe like a farmer's market type. Mm-hmm. So reaching out to kind of everyone. That's how I envisioned it. Well, hopefully we'll be able to go to restaurants soon or one day again. Yeah, okay. I mean, I also envisioned it having, because I know there's a lot of community gardens, and I was thinking also that the market and Giroir Park, maybe there could be like a community garden thing going on, mm-hmm. Mm-hmm. which mm-hmm. that is more accessible to just kind of everyone, not just mm-hmm. high income. Okay. Well, thank you very much. Where did you go to school? McGill. McGill. And you just graduated then, or? A year ago. Okay, yeah. Congratulations. Thank you. And thanks for the presentation. Oh, thank you for your question. Merci, Monsieur Bandeau. Okay, still have your hand? Yes. Well, there was, yes. And there's but two other people, Marlo and Kyla, also afterwards. Why don't they go first and I'll have a third. Okay. Miss Madame Pierre-Louis, Kayla Pierre-Louis, you had a question that you wrote. Maybe you want to ask it to Emily? Oui. Est-ce que vous préférez en anglais ou en français? Moi, c'est... Ça peut être en français. Okay. Mais, je trouve ça vraiment intéressant, l'aspect de la nourriture. Je trouve que ça va vraiment avec l'idée qu'on avait déjà les autres avec l'aspect de bistrot et tout ça, bistrot-café. Mais je voulais savoir, parce que tout le monde a amené des projets vraiment plus communautaires et artistiques, je voulais savoir, est-ce que tu avais peut-être une partie justement artistique, communautaire que tu voulais inclure dans le projet? Je sais que tu as dit que l'auditorium pourrait être utilisé comme salle de spectacle, faire des like exhibitions and all of that, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait prendre peut-être plus de place, parce qu'NDG est quand même un endroit très communautaire. Donc, je ne sais pas si tu avais ça. What space would that really take in your idea? If any at all? Moi, j'avais imaginé que c'était principalement food-oriented, mais que l'auditorium serait un endroit où est-ce qu'il pourrait avoir des performances, il pourrait avoir des rassemblements. Puis j'avais pensé aussi que la terrasse, le rooftop terrace, ça pourrait être aussi un espace qui peut être loué. Mm-hmm.
Donc, c'est ça que j'ai pensé. Là, j'ai pas planifié un programme qui était vraiment art-driven, parce que le projet était vraiment food-driven. Mais ça veut pas dire qu'il y a pas de la place pour les arts aussi. Tu sais, comme, ça peut être moitié quelque chose, moitié quelque chose d'autre. Je pense que l'idée du projet, c'était vraiment de pas oublier le bâtiment, c'est la structure du bâtiment. Ça va dire, de mon côté d'architecture, qu'est-ce qui me fascine beaucoup, c'est le bâtiment en tant que tel, la façade et son utilité. Puis, donc, en fait, que ce soit un marché ou que ce soit les arts, l'idée, c'est juste que tout le monde se rassemble ensemble puis ça devient un lieu pour le quartier. OK, non, c'est... OK, je comprends l'idée. J'aime l'originalité du l'aspect nourriture, c'est quand même nouveau. Mais OK, mais ça répond, merci beaucoup. Fait plaisir. On avait une autre question, tu m'as dit, Yolande, ou... Oui, c'est Marlo qui avait levé sa main. Ben, j'avais presque la même question que Kayla, donc c'est correct. So, Mr. Bonder, go ahead. Yeah, go. So I was just interested in your, I'll throw the video on, sorry. I'm interested in your experience as a student of architecture. Have you come across and did you take a look at options of intergenerational co-housing concepts? Are they radically different from what we're used to? You mean in this project or in general? In general. I personally haven't looked that much into intergenerational buildings, but I know that some other students for their thesis, that was their main subject. So it is something that is currently being discussed and looked at. I don't know if that answers your question. Sure, it does. If you can call a friend, get them on the table right now. Oh. Well, maybe we should get back to McGill, to the bench of the university. That's a good idea. Yeah. Any other questions? The comment? Merci beaucoup. C'était très riche encore une fois. Nous avons juste le petit sondage avant de vous dire les petits mots de la fin. Maxime va nous mettre ça. Our little survey again. There it comes. Last of the evening. Excellent. Merci encore. Nous avons mis dans le chat aussi le rappel de la page web où vous trouvez l'adresse de courriel. Si vous voulez nous envoyer des commentaires, ça nous fera plaisir de vous entendre. In the chat, we've added a link to the Empress page and there's an email link on the page. For if people want to submit other comments after tonight's presentations. Ouais. En attendant le retour pour aller déguster et musique et food et tout ça là, dans les restaurants. Merci infiniment. Madame Montgomery, voulez-vous dire un petit mot avant la fin? Oui, alors, I just want to thank everyone for their presentations. Fantastic ideas and of course, we'll take everything into consideration. And let's hope that very soon we can get back, like Marlo said, we miss culture life. We miss life, let's put it that way. You know, there's only so many things you can watch online. And I really miss, I miss being together with people in the community because it's such a fantastic community, as you all know. So, merci beaucoup tout le monde pour vos présentations, c'est formidable. Et merci à Yolande, Nicolas et Jean-François pour votre travail. Je pense que c'était formidable pour tout le monde. Et demain soir, tout le monde sont invités encore pour voir des autres. On a 5 demain soir? 5, oui. Alors... Alors, on n'a rien d'autre à faire, alors pourquoi pas sur Zoom? Alors, exactement. Merci beaucoup.
Yes. Who's presenting tomorrow? Do we know? I don't know. I have four of them. I don't have the fifth. Okay. Maybe Yolande, you can. I have the Wheel Club. Yeah. Intergen Virtual Studio. Mr. Bonder will be there for that. Uh-huh. And La Borgne Risk Architecture, but I don't have the name of the fifth one. Okay. Yeah, it's Laura Bocard. So tune in tomorrow and you'll find out who it is. Yeah, exactly. Yeah. Okay. Yeah. Okay, merci beaucoup. Have a great evening. Merci beaucoup. Okay. Thank you. Bye. Bye. Bye.